Bonjour Isabelle. Bonjour Barbara. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce qu'on doit offrir, ce qui serait chouette d'offrir à une femme qui vient de mettre un bébé au monde. Parce que j'ai une amie qui va accoucher dans peu de temps. Et voilà, on lui dédie d'ailleurs ce petit film. Bah, y a un truc, y a une erreur très courante qui est faite, qui est que quand on va voir une jeune femme qui a accouché, on s'intéresse uniquement au bébé. Donc on va amener des layettes, des trucs pour le bébé, on va amener un livre, on va amener « J'élève mon enfant », etc. Et on oublie complètement que c'est la mère qu'on vient voir. Et c'est vraiment important si vous avez une amie qui vient d'accoucher et que vous allez la voir à la clinique, c'est vraiment important de lui dire que c'est elle que vous venez voir. Donc lui offrir un pot de crème formidable. Crème de jour, une crème de cœur, une crème de corps, une jolie blouse, un roman formidable, un truc pour elle. C'est-à-dire que très souvent, et hormis le changement hormonal, je pense que ça participe au baby blues. Le fait que d'un seul coup, toute la reconnaissance, toute l'attention soit portée sur le bébé et que soit complètement oubliée la femme. Ouais. Et c'est vraiment important de continuer à parler à votre amie ou à votre femme ou à votre fille. C'est pareil pour les parents. C'est-à-dire les parents qui viennent voir leur fille qui vient d'accoucher et qui... d'un seul coup, n'existent plus que comme grands-parents et oublient complètement d'être en relation avec leur fille qui vient de vivre un truc quand même assez incroyable. Voilà, c'est vraiment important parce que la personne qui vient d'accoucher, elle a besoin de reconnaissance, elle, en tant que personne. Juste finir sur quelque chose. On a parlé l'autre jour de... l'image du corps qu'on avait après l'accouchement, parce qu'on ne rentrait pas forcément dans les vêtements d'avant. D'où l'intérêt de... quand on vient d'accoucher, on n'a pas envie de remettre les vêtements de grossesse. En plus, ils sont un peu grands, et en même temps, les vêtements d'avant-grossesse, ils ne vous vont plus. Donc, le petit pull sympa, la blouse un peu vague, mais quand même très jolie, c'est une bonne idée de cadeau. Ou la petite robe, voilà, sympa. Merci Isabelle.